L'histoire de chaussettes humides. Ce lundi-là, je tenais une gueule de bois si carabinée que Vert en main avait eu du mal à m'entraîner chez Panique. Je m'étais finalement laissé convaincre, bien décidé à ne boire que de l'eau minérale. Mais à peine installé, Vert en main s'était rappelé une recette souveraine pour stimuler nos foies paresseux. Le mélange, à base de bière, de vodka, de jus de citron et d'eau de Vichy, me parut plaisant. Nous en reprîmes. Déjà ma migraine cédait le pas. Et chiffres et lettres, nous ayant rejoints, nous tinrent à leur offrir une tournée de l'élixir magique. Chiffres et lettres, gagnés par la bonne humeur générale, se lança dans une curieuse histoire. Ce type, chaussette humide, était cadre dans une petite entreprise de tuyaux en plastique, à Clermont-Ferrand. Il vivait seul, était affublé d'un caractère particulièrement désagréable. En fait, il n'avait rien pour plaire, ce pauvre chaussette humide. Sale, égoïste, gourmand, menteur et de surcroît pourvu d'habitudes répugnantes, aucune femme n'avait pu se résoudre à partager son existence misérable plus d'une nuit. Quant aux amis, Chaussette Humide avait perdu les rares qu'il possédait en jouant aux échecs, car il ne supportait pas de perdre et ne gagnait jamais. Dans ces conditions, comment s'étonner du solide climat de haine entretenu par notre héros dans son entreprise? Il haïssait pêle-mêle patron, secrétaire, collègue et employé. Mais son ennemi le plus intime demeurait le syndicat du personnel. Pour Chaussette Humide, il s'agissait d'un ramassis de rouges, de bons à rien, de criminels prêts à saborder la société libérale. Il ne comprenait absolument pas que l'on donnât droit de cité à une bande de malfaiteurs et ne se privait pas pour faire entendre haut et fort son opinion, au risque de compromettre définitivement un climat social déjà tendu. C'est précisément à l'issue d'une discussion sur l'Union soviétique qu'un collègue de Chaussette Humide avait brandi pour appuyer ses dires le journal russe consacré au jeu d'échecs. Ce sont les meilleurs, quoi que tu puisses prétendre. Et, pour l'intelligent, tu ne leur arrives pas à la cheville. Chaussette Humide emporta soigneusement le magazine. Il l'éplucha tard dans son lit. Le courrier des lecteurs surtout le fascina. C'est qu'on y donnait des noms et des adresses de Russes, des supermen des échecs, et que pour lui, Chaussette Humide, ces précieuses indications ressemblaient à des défis. En s'endormant, sa décision était prise. Dès le lendemain, il s'enfuit au bureau de poste et envoya un mandat de 500 francs à un certain Boris Terminsk, résident au numéro 30 de la rue Lénine à Odessa. Sur le talon du mandat international, il inscrivit ces simples mots « En vous remerciant pour les menus services rendus ». Il signa d'un nom d'emprunt, puis se rendit à son travail dans un état d'esprit plus prime-sautier que de coutume. Il pouffait tout seul en imaginant la piquante situation du malheureux Boris lorsqu'il faudrait expliquer à un quelconque service de police ce que l'expéditeur étranger entendait par menu service rendu. Mais, puisque les Russes étaient de si grands joueurs d'échecs, il trouverait bien un moyen de s'en sortir, n'est-ce pas? C'était une sorte de partie par correspondance qu'il engageait ainsi. Rirait bien, qui rirait le dernier? 3 mois de suite, Chaussette Humide envoya un mandat du même montant accompagné d'une phrase sibylline du genre « Encore un peu d'argent pour les menus services. Augmentation impossible pour le moment. Merci pour tout. » Le 4e mandat revint avec la mention « Inconnu à l'adresse indiquée » en caractère cyrillique. Chaussette Humide se frotta les mains en espérant que le champion d'échecs supporterait le climat sibérien. Puis il se mit aussitôt en quête d'une autre adresse, car il avait pris goût à sa petite farce. 500 francs par mois pour un célibataire, ce n'était pas la fin du monde, et il fallait reconnaître qu'il en rêvait pour son argent. Mais ce n'était pas si facile de se procurer un annuaire de Leningrad ou de Moscou. Feignant un brusque revirement d'opinion, Chaussette Humide s'inscrivit à l'association France-URSS, s'abonna à un grand nombre de journaux soviétiques et réussit rapidement à obtenir une douzaine d'adresses, principalement concentrées dans la région de Moscou d'ailleurs, où il se mit à envoyer des mandats avec une régularité sujette à quelques variations. Ainsi, lorsqu'il eut de rares bonheurs de toucher le tiercé dans l'ordre, un petit tiercé malheureusement, il se fendit de 4 mandats dans la semaine. Mais quand, un peu plus tard, il résolut d'acquérir un poste de télévision en couleur, il ne se rendit pas à la poste 2 mois d'affilée. Dans son sommeil, Chaussette Humide entrevoyait les visages douloureux de Boris, d'Igor ou de Natacha Ivanovna.
Alors, les champions d'échecs, votre sort vous satisfait-il? Dans quelle peau préférez-vous vivre, la vôtre ou la mienne? L'écho de son propre rire finissait en général par le réveiller avant d'obtenir une réponse. L'activité postale de Chaussettes Humides se poursuivit sur une dizaine d'années. Et puis, il se produisit un grand événement. Le syndicat de l'association France-URSS, dont notre héros était désormais le membre actif, organisait un grand voyage en Russie. Pour une somme d'argent assez modique, le programme paraissait réellement alléchant, puisqu'il prévoyait les visites de Leningrad, Moscou et d'une douzaine d'autres villes dont Odessa. Chaussettes Humides fut l'un des premiers inscrits. Sur place, il se rendit à toutes les adresses soigneusement notées sur un calepin, où il avait expédié ses dons. Il constata avec un plaisir morbide que nulle part il ne restait trace de ses correspondants. Certains avaient déménagé à ce qu'on lui dit, d'autres étaient morts, d'autres enfin étaient totalement inconnus des actuels voisins, et nul ne se souvenait de leur existence. À Odessa pourtant, il apprit que le nommé Boris Serminsk était devenu un très grand personnage du marché noir local, et qu'il devait l'origine de sa fortune à un héritage miraculeux d'$1 million. Chaussettes Humides attribua le chiffre à la manie d'exagération des méridionaux, mais il en éprouva une certaine contrariété. L'heure du retour ayant sonné, les voyageurs se rendirent à l'aéroport et furent très étonnés en constatant un grand déploiement de policiers sur le terrain. En fait, ce dispositif exceptionnel concernait exclusivement le vieux Chaussettes Humides, qui se retrouva en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire sur la paille puante d'un cachot. Et oui, la police avait eu vent de tous ses déplacements. Elle avait trouvé suspect son intérêt pour les gens qui tous s'étaient trouvés mêlés par le passé à un étrange réseau d'espionnage dont on n'avait jamais connu le fin mot. Pour les autorités soviétiques, nul doute que Chaussettes Humides était un important personnage des services de renseignement français ou américains, cherchant à remettre sur pied une organisation démantelée. Bien entendu, ces griefs parurent du plus haut ridicule à ses collègues, à l'association France-URSS de Clermont-Ferrand, au syndicat et d'une façon générale à la presse française. Le Quai d'Orsay, plus timide, observa une réserve pleine de tact. Cependant, l'affaire faisait grand bruit. Il y eut des dizaines de pétitions, des milliers de signatures. Les intellectuels tempétèrent, les hommes d'affaires menacèrent, si bien que, 2 ans plus tard, Chaussettes Humides regagna enfin le sol national, où il fut accueilli par les fanfares et les majorettes. Il vendit sans mal le récit de sa captivité au Times et à Paris Match, et récupéra amplement sa mise de fonds initiale, malgré la dévaluation. Par la suite, il reprit ses allées et venues à la poste, mais la Russie ne l'amusait plus. Il se mit à envoyer des paquets de livres marxistes à des pauvres types de Santiago ou de Buenos Aires, mais en se jurant bien de ne jamais mettre les pieds ni au Chili ni en Argentine. Comme quoi, l'expérience est une chose, même si la passion en est une autre.